Tyson, que fais-tu? Continue d'essayer de l'attaquer. De préférence là où Shangor vient de lui faire mal. Ok. Pour Un dé de force, continuer. s'il te plaît. Ok. On va finir par lui couper la jambe. Ouais. Ah bah. Bah Oh non. l'échec! Bah si Bah moi j'ai un non. CSGO à faire. Je crois Donc qu'il va pas. tu te prépares à taper la. Tu te prépares à taper la. Le J'avoue mec, là-dessus. dans sa blessure, il a pas mal. Putain. Tu te prépares à taper la jambe, enfin à taper sur la jambe qui s'est fait abîmer par Shangor, et en fait tu lâches ton épée, Shangor, non, pas Shangor, et tu lâches ton épée, tu la vois partir au loin, et elle va, hop, et en fait tu envoies l'épée en plein dans le ventre De l'archère derrière qui a rien demandé, qui est en train de fuir, waouh. Ok. voilà, et qui meurt empalé sur ton Merci épée et Katerina. s'écrase. Merci d'avoir regardé, Ça j'espère que ça t'a marche. plu, à très Du bientôt. coup, Ciao ciao. ouais, je suis comme un con sans ouais, Je rappelle d'ailleurs à tous les nouveaux que je stream tous les jours de 18h à Ouais. minuit minimum. Ok. Donc n'hésitez pas à repasser, ce serait avec grand plaisir. Là c'est exceptionnel, ce soir le JDR, ce sera tous les Et vendredis Babil est, normalement. elle, Babi, elle est toujours en, et la Babi est Il est toujours en toujours dans PLS? le. Dans le coma. Dans les vapes. Il va se retourner vers le vers Taïsine, notre cher Grul, et il se prépare à te donner un coup. Enfin, le pouvoir de l'air. Moi je suis un dingue, je bloque avec mon bouclier. Tu bloques? Ouais. Waouh. Porte mes couilles. Je sens que tu vas rejoindre le caillou blanc derrière toi. Le mercenaire a guéri, j'ai fait plein de batailles. Pas peur. Faut que je fasse Ça marche, Nilot. un Merci d'avoir relevé du regardé. coup. Bon courage pour demain. Et bah, peut-être à Dé demain, du coup. d'esquive. Ciao, ciao, Et pas Nilot. de dé de Bonne nuit. dieu. Merci Et d'avoir regardé. esquive, c'est quoi Agilité. Agilité. Ok. C'est le truc qui est bas. Non, ça va. Oh, j'ai réussi. Attends, tu le bloques, c'est ça? Tu m'as dit tu Ouais, le bloques. ouais. Bonne Ronan et Nilot. Oh, j'ai réussi là. Donc c'est un dé de force en fait, c'est pas un dé d'agilité, je Bah, suis j'ai con. réussi quand même. Ça marche, Très Ronan. La bien, bonne donc nuit à il toi. vient, À il demain. te Ciao, ciao. porte Merci à un toi. énorme coup de poing sur ton bouclier. Et tu sens bonk, un gros bruit, mais heureusement, c'était ton bon bras. Donc tu tiens et tu notes. Tu pourrais chanceler, mais ça passe. Déjà que t'as de la chance que le bouclier est tenu quoi. Exactement. Moi j'aurais bien vu le bouclier éclater en écharde quoi. J'aurais pu. Pas Ouais, cette moi fois-ci. aussi. Pas J'y ai cette fois-ci. pensé, mais cette fois-ci, les dieux sont avec nous, mes amis. Ouais, vous avez beaucoup de chance. Les dieux sont vachement avec vous depuis le début de la soirée, quand même. Ça paraît pas, mais je vous jure qu'ils sont vachement avec vous. Pas Si vous beaucoup saviez le hier. nombre d'échecs critiques que je me paye de mon côté. Shangor, c'est à toi. Ah Donc, bah tu je as retape vu au une même épée. endroit. Tu as vu une épée voler. Oui, qui est passé pas À loin de moi côté de d'ailleurs. toi, qui allait se planter derrière. Tu as entendu. Quelqu'un qui s'effondre sur une épée et après s'est fait empaler par cette dernière en mode javelot. Allez, on va tenter, on a un peu de vie, on va tenter un truc rigolo. Je vais essayer de lui grimper sur le dos pour le taper la tête. Est-ce que tu as acrobatie ou un truc du genre? J'essaie de voir si je peux grimper, genre pour arriver sur ses épaules et lui mettre un coup dans la tête, quoi. Ou pas. J'ai toujours la dague, de toute façon, normalement, je l'ai jamais utilisée, mais je l'ai toujours normalement. Donc tu tentes de grimper Donc ce sera pas avec la hache, du coup, à deux sur mains, elle. ce sera avec la dague, mais bon. Tu peux tenter avec la hache, hein, t'as un malus de 10. Oui, voilà, parce que j'utiliserai les deux mains, du coup, ouais, ce sera un peu plus compliqué. Donc sinon Malus de c'est un 10, jet mais de sur un jet de quoi? Un jet de force? agilité. Ah, agité, non, je vais pas tenter ça, je suis pas. Avec la dague, du coup, ce sera avec la C'est pour dague. grimper, donc Ah, pour grimper? D'accord, ok. Bah,
Tu dois l'escalader le truc en fait. Ouais, je vais l'escalader avec la dague. On va faire ça. C'est agilité, si tu veux tenter, c'est agilité. Vas-y. Je crains le pire. Bim. Oh, ça passe. Ça passe en plus. Joli. Ouais, c'est du sang, Twixy. Tu commences à grimper, tu te sers de la dague que tu plantes dans le corps. T'as musique de Rambo, s'il te plaît, vas-y, musique de Rambo. Hop, tu grimpes dessus et tout, tu l'escalades. Après tu sors, tu plantes le drapeau. Non merde, c'est pas l'Everest. Et au niveau de, tu arrives au niveau de ses épaules et tu t'es accroupi sur son épaule. T'es accroupi sur son épaule, voilà. Ouais, mini Moïse, un perroquet. Un perroquet sur l'épaule du capitaine. Et donc j'essaie de lui planter le crâne. Tu lui plantes la dague dans la tête, c'est ça ? Voilà. Pas d'agilité, tu l'as déjà payé. Fais-moi un jet de force. Ça passe. 56. Ça passe, tranquille. Tu me fais 2d4, s'il te plaît. Parce que la dague, c'est 2d4. Là, tu fais 2. 4. 4. C'est honorable. Pas mal du tout, pas mal du tout. Putain, si vous voyez la fiche de perso du mec, vous en rigoleriez, mais... Donc tu lui plantes la dague au niveau de la tête, le crâne est dur quand même, tu lui fais un peu mal, mais sans plus il secoue la tête d'un coup sec, il va m'éjecter par contre. Et il va te, voilà. Et est-ce que tu peux faire un test d'agilité, savoir si tu arrives à te cramponner? Ça passe pas. Donc tu es éjecté, tu te casses la gueule, tu tombes, machin et tout. Tu tombes dans les fourrés, tu as de la chance. Tu ne te blesses donc pas, tu te prends juste une branche dans le cul. Et tu te fais plus un point ou moins un point de santé, ça dépend. Si tu aimes ça ou pas. Hein ? Comment ça ? Tenter, je vais lui envoyer mon bouclier comme un frisbee dans la gueule. Ça y est, on a trouvé notre Captain America. Voilà. Et après, je fais un passement de jambe sur la droite entre son bras et sa jambe, là, par là, pour passer par derrière lui, pour aller derrière lui. Une toubée de. Fait, ouais. Oui, en fait, tu le contournes. Voilà, exactement. Ça va pas plus vite ? Non. Oh. Ça, j'ai donc l'agilité, tu lui lances. Pas vraiment random, c'est une race qui se balade dans le coin, ouais. Mais on sait pas où on est en fait. Et je le contourne. On a été kidnappé. Et tu le contournes. Pour arriver vers là. Tu me fais un jet d'agilité, s'il te plaît. Ouais, réussi. Ah ouais, celui-là il passe. Ouais. GG, et un jet de force pour voir. Le but n'est pas de lui faire mal, hein, c'est de perturber quelques instants. D'accord, et bah tu me. Putain, ça va être. 11 encore, ouais. Wow. Ça passe. Ouais, je lui fais mal alors, je lui fais un peu mal. C'est bien. Exactement. Ouais, quoi. Il a l'œil qui pique, il ferme l'œil un peu. Putain. Tu me fais 1d6 de dégâts. S'il te plaît. Ah bah voilà. Pas si mal au final. Salut, bon jeu, bienvenue à toi. L'ogre des collines, c'est ça, Belkacy. Très bien, putain, c'est... Je sens que cette partie va pas se terminer tout de suite. Ok, tu arrives à l'esquiver, tu te retrouves avec tes mains nues. Exactement. Donc, de notre côté, là-bas, nous avons ce qui semble être Green Thor qui a l'air de discuter en s'éloignant avec, mais genre, l'air de rien, quoi. Avec le maître archer.
Comment ça va, bon jeu? Ils ont l'air un peu complices. Vous savez pas trop. De là où vous êtes, vous savez pas trop. Catapulte! Cet archer-là arrive du mieux qu'il peut. J'ai fait. Ah putain, merde, c'est la tête. Et commence à tirer des flèches sur le grul. Celui-ci vient de se prendre un bouclier dans la gueule. Il est un peu sonné, mais très vaguement. Et du coup, ne réagit pas tout de suite. Quoique, je vais monter pour voir ce qu'il y a justement de l'autre côté et puis avoir un point de vue sur l'autre zèbre là-bas en bas. On n'est pas en Afrique. Ouais. Non, ah, mais... il doit commencer à avoir des rayures marron-rouge. Donc je monte. Est-ce que tu me fais un test pour savoir si je me casse la gueule? Ah, c'est gentil de le proposer, fais-moi un test d'agilité. Sinon, non, je t'en faisais pas faire. Hein, sinon, si tu l'avais pas demandé. Waouh! Salaud! Putain, raconte, il va se péter la jambe, quoi! C'est toi qui l'as demandé en plus. Hein. Ouais, ouais. C'est toi qui l'as demandé. Hein. T'assumes. Ouais, j'assume tellement. Donc en fait, tu vas pour grimper sur les boulis de pierre. Et à un moment, tu te redresses en haut des boulis. T'es tout fier. Tu fais un pas et la pierre sur laquelle tu venais de poser le pied et prendre totalement appui se casse la gueule, t'emportant avec, revenant en bas. Là, ici. Voilà, tu me fais un des 4 de dégâts. S'il te plaît. Moi et ma grande bouche. Exactement. Ça marche, Twixy. Bonne nuit à toi, merci d'avoir regardé. J'espère que ça t'a plu. À très bientôt. Ciao, ciao. Ah, pour moi, il est cassé. Hein. Ouais, pour moi, il est cassé, mais écoute, c'est indiqué 1. Donc... voilà, c'est ça. Tu te prends un point de dégâts et ta cheville droite, tu lui mets un 1 parce que tu t'es tordu la cheville. Parce qu'après les bras, c'est les chevilles. Shangor. Ah bah, moi je lui remets un coup de hache au même endroit où j'ai tapé qu'avant. D'accord, donc tu on va couper son pied comme un arbre. Coup de force. Enfin, j'ai de. Ouais, dés de force. 4. Oh. Attends, c'était 3 dégâts. L'amputé là, oh. Tout à l'heure, tu m'as fait lancer 3 dés de 10. 3 dés de 10. Voilà. 3 dés de 10. Allez, 72. 11. Pas terrible. Donc ouais. 11, tu lui fais 11 points de dégâts. Ça marche, David, c'est la bonne nuit à toi. Merci d'avoir regardé, à toutes. Il avait 20 et quelques, il a 5000 PV son pied. C'est que le pied. Hein. Ah la merde. Et tu vois que quand tu frappes, tu vois que tu as pratiquement tu viens de taper un point dur. C'est pour ça que tu as pas fait tant de dégâts que ça et que tu penses que c'est l'os. Ouais, parce que ton un point d'intelligence te fait dire que c'est sans doute l'os que tu viens d'atteindre. D'accord. Je pars par ici en espérant ne pas me boiter la gueule. À la descente. Ah, en même temps, c'est Cyrano qui a demandé. Oui, bah. Donc tu viens jusqu'ici et après, pour la descente, c'est le tour d'après. Ou alors tu tentes de le faire en one shot, mais tu me fais un dé d'agilité. Je fais un one shot. Dé d'agilité. T'as que 24. Ouais. Casser la gueule, ça. Ouais, bah, voilà. Donc tu essaies de monter, tu. T'as toutes les pierres qui s'effondrent sous toi. Tu essayes plusieurs fois et tu te retrouves à chaque fois en bas. Tu n'arrives pas à monter. Damn, je préfère les démons, ouais. Moins chiant que la nature, hein. Pendant ce temps-là, Tyson, les mains dans les poches. Ouais. Avec une tête à ses pieds. Avec une tête assez biais, tu fais un foot, c'est ça? Non, je vais faire un truc ballsy. Vas-y. Je vais choper les siennes.
en sautant, tu peux y arriver. Hein. Non, non, je vais sauter dans le dos de Grul. Mm-hmm. Et je vais, crier à Shangor de m'envoyer mon épée. Il me jette mon épée quand moi je saute, et comme ça, dès que j'arrive sur Grul, je le plante avec mon épée. Oh, il y a de la balls qui arrive, d'accord. Salut Rogue, bienvenue à toi. Okay. La balls of steel, comme dit Duke. Ouais. Mais tu me fais un jet d'agilité, première chose. Est-ce que tu arrives à bondir sur le dos et à commencer à le grimper façon Spider-Man? Attends, je m'entraîne un peu. Oh, réussi. Oh putain, ça me rappelle Adèle. Ça passe. Ça passe, donc tu grimpes sur le dos, t'es là, en mode chat sur un rideau. Coucou Snowy. Sire, tu me fais un jet d'agilité, s'il te plaît, pour retirer l'épée et arriver à l'envoyer sur Tyson. Ça va être plus dur. 43, ça passera pas. Bah au pire, si je... Vu que c'est pas... Ouais, ça va taper... Il va se prendre l'épée dans la gueule, le méchant. Oui, bon, ça. Donc tu envoies l'épée, tu dégages l'épée avec un peu de difficulté. Tu tentes d'envoyer l'épée, mais comme t'es un peu teubé, je veux dire, le 1 d'intelligence, ça ne s'invente pas. Tu trouves le moyen d'envoyer en même temps le corps sur l'épée. Le corps qui est toujours sur l'épée. Quoi. Donc t'envoies le tout, ça ne vole pas très haut et ça vient se planter dans le... Dans le bas de Grul. Du coup, tu as poinçonné un corps sur le... Sur Grul. Exactement. C'est un fail. Donc, Tyson, l'épée, elle est plantée dans le trou fignon du... Ah, il peut essayer de l'attraper, non? Non, j'ai un plan de secours. J'ai gardé ma flèche. Très bien. Là, c'est plus risqué d'essayer d'escalader dans son dos pour aller la récupérer que j'utilise ma flèche. Chat, les gens qui crèvent un œil. Donc j'essaye en tout cas. Tu as essayé de grimper. Ouais, mais alors, attention. Non, mais je suis déjà en haut. Ça fait deux actions. Oui, mais ça fait deux actions. Est-ce que tu tentes la flèche avec un malus? Malus de combien? 15. Non, j'attends là. Non, pour l'instant, de toute façon, il a pas. Du coup, que fait Grul? Ouais, mais à mon avis, là, ça va être à Tomisu de jouer et il va te faire tomber, quoi. Il y a des chances. Allez. Donc, Grul, il a senti qu'il y avait un truc qui lui était tombé sur le cul. Qu'il se prend quelques flèches de temps en temps par l'autre mec, là. Et du coup, il en a un peu marre. Ouais, et qu'il est en train de se faire bûcheronner le pied aussi, ouais. Voilà. Donc, il tente de se retourner. Donc il se retourne violemment, il va pour te foutre un grand coup de son violemment. Espèce de gourdin dégueulasse. Il aime bien celui-là, hein, violemment. Ah, qui est à moi d'ailleurs ? Mais ça, il ne l'avait pas dit. C'est à moi qui mettais la beigne ? Ouais. Fuck. Il va te foutre un grand coup de son espèce de gourdin gigantesque. Donc il va vers toi, il va pour te foutre un énorme coup de son gourdin, fais-moi un test d'agilité. D'accord, moi je vais... Ah mais ça c'est si j'esquive, mais si je veux pas esquiver. Si tu veux pas esquiver, bah tu... Je veux essayer genre de confronter son poing avec le mien, en force. Très bien. Genre un face-à-face de poing, genre BIM. Non mais il va pas avec son poing, il va avec son gourdin là. Ah merde! Ah non, c'est pas la même. Non, gourdin contre poing, c'est pas cool. Bah, j'essaie de le contrer à ce moment-là avec la hache, alors. Tu le contres? Donc ça reste un duel de force? Ouais. Eh bien... Fais-moi un duel de force, qu'on rigole. Donc quoi, tu veux un dé de 100? Ouais. Je fais pile ma force. Il fait meilleur. Il fait mieux que ça. Il fait mieux que toi. Ouais, mais pas beaucoup. C'est suffisant. Alors tu tentes de le bloquer avec tes deux mains, j'imagine. Oui, voilà. Enfin, j'essaye de. Ah, tu tentes de le bloquer. C'est ça.
Mais la force est tellement monumentale, c'est monstrueusement lourd son gourdin. Et tu te prends... 16 points de dégâts. Ok. Ça pique. J'ai prévenu. Je t'en prie. Donc, Elba, à toi. Qu'est-ce que tu fais ? Vu mon échec en escalade, je décide de me faufiler le long de la montagne et de la cage, d'accord, afin de me cacher derrière notre ami Jangor. Afin d'essayer de porter un coup critique. Ça marche, Diablo Killer. La bonne nuit à toi, merci d'avoir regardé en tout cas. Jangor, c'est un animal donc. Non, non, l'autre encore. Ah, pardon. Parce que c'est extrêmement tendancieux ce que tu viens de nous faire. Non, non, non. Très bien. Donc mais tu te déplaces, tu veux faire quoi? Je me cache derrière lui. Très bien. T'es mais planqué, quand même à une bonne longueur. Et, s'il est projeté, je ne suis pas touché. D'accord. Je précise. Ok, t'es plutôt... Loin. Loin. Non. Ah, j'aurais vu plus par là, quand même. Ok. À la limite. Très bien. Et Tyson, tu es toujours sur Grul, tu te cramponnes comme tu peux, ta flèche dans la bouche, comme la rose d'un amant, les poings serrés sur le corps huilé de Grul. Ah non, merde, il est pas huilé, lui. Le corps moite de Grul. Qu'est-ce que tu nous fais de là-haut, à part faire le manège? C'est qui, c'est la Ticine, là? Ouais. Je vais simplement adapter ma technique et prendre une technique de pute et grosse brute et je vais lui mettre mes doigts dans ses yeux de merde. Voilà. J'ai d'agilité, s'il te plaît, pour voir si t'arrives à garder le contrôle pendant que tu lui fous les doigts dans les yeux. Non. Oh, ok, dommage. Ah. Donc t'es là, tu grimpes un peu sur sa tête, tu tentes de lui foutre les doigts dans les yeux, enfin les mains là du coup. Et au moment où tu fais ça, il donne un coup de tête et tu te casses la gueule. Okay. Avec chance... Merde, putain, c'est pas le bon. Yeah. Hop, avec chance, il t'envoie dans l'arbre là. Tu ne perds pas de points de vie. Alléluia. Ok. Mais du coup, tu es dans l'arbre. Prends des pommes. C'est un arbre, pas forcément un pommier. J'ai une recette de compote. Donc, bah, tu m'étonnes. Bah, ce que je vais essayer, c'est de passer donc derrière lui, de faire le tour cette fois-ci, ouais, en clopinant. Mm-hmm. Et d'aller voir donc ce qu'il y a dans les coffres là, vu qu'apparemment ils sont dans les buissons et bien occupés. Très bien. Voilà, belle classe. Ben vas-y, déplace-toi. Y a pas de problème, il est occupé, le Grul est occupé à charger sur l'arbre, il est en train de se casser la gueule, accessoirement. Donc toi, tu vas aller fouiller les coffres. Très bien. Même pas il me soigne au passage, quoi. J'hallucine. Non, mais dommage. Je vais voir si justement je vais pas trouver d'autres éléments pour soigner, parce que là j'ai plus rien comme matériel de soins. Et voilà, quoi. Le truc, c'est que vous avez perdu masse points de vie, quoi. Surtout Jorf, là, qui a consommé deux heals à lui tout seul, quoi. Ouais, ouais. Mais gaffe, c'est un peu un crevard. Voilà. Donc pendant que tu crochettes le coffre, alors ? Ouais, j'ai essayé de crocheter le coffre une fois. Donc on a dit, c'est de la l'agilité, on avait dit. Agilité. Ah, chier. Et que fais-tu, Elba ? Je vais vers lui. Je passe à lui, je dis « Ah, au secours, il y a un Grul en bas, c'est pas bien, ça va pas. » Hop, je passe à lui, je fais la veuve apeurée. Et j'attends, pendant qu'il tire les flèches, j'attends.
J'attends et dès qu'il a le dos tourné, j'ai fait des poches. Ça, normalement. Si, si. Non, mais t'es sérieux? Oui. Très bien, très bien, très bien. Séduction, intimidation, pêche, question. Tu n'as pas le vol. Ah, donc, tu veux tenter, le faire tomber. Tu veux tenter de le voler? Plutôt de l'assommer avec une caillou par terre. C'est plus. Mais t'as une dague? Non, une dague, c'est pas pour moi. Donc tu prends une caillasse et puis pendant que l'archer est concentré à envoyer ses flèches sur Grune, tu lui matraques la tronche de dos, hashtag lâcheté. Et hashtag bonus. Hashtag bonus de dos. Hashtag lâcheté. Et tu me fais un jet de force, s'il te plaît. Bonus de 32. Non, juste force, brute. Non. Mais non. Et en fait, tu prends le caillou et au moment où tu vas le jeter sur le mec, tu n'as tellement pas de force dans tes bras en fait que t'as le caillou qui tombe de ta main comme ça, genre je suis faible. Et tu mets une calotte sur la tête du mec en fait, tout bêtement. Le mec il se retourne et il te dit mais vous êtes complètement, ça va pas là, dégagez de là, vous allez vous faire tuer. Qu'est-ce que vous faites à me taper aussi? Rien nouveau, je jette le caillou. Et je fonce en direction du Grul. Voilà. En direction de Grul. Tu lâches le caillou et tu fonces en direction de Grul. Complètement. Et j'y saute à la gorge. Je vais crever les yeux, moi aussi. Très bien, donc tu vas pour l'escalader, comme d'habitude. Un jet d'agilité, s'il te plaît. Mais il est déjà pas très bien. Il est un peu mi-sol, mi-terre. Non, il n'y a pas de sol, mi... Waouh. Donc tu vas, oh, c'est drame. Tu vas pour lui foncer dessus, malheureusement tu t'encoubles et tu te retrouves juste à côté de son pied. Grul se retournant pour essayer de frapper Shangor. Isabelle Cassie. Là où il va poser son pied, c'est précisément l'endroit où tu te trouves. Voilà. Sachant que tu as déjà agi. Ah, donc je verse une des deux doses de poison directement dans son système sanguin. Très bien. Très bien, très bien. Donc il te reste une dose. Donc je te fais pas lancer de dé parce que là il est. Tu lâches la dose de poison dans son corps, et tu te recules en attendant que ça fasse effet parce que ça va pas faire effet aussi vite que pour un homme normal, sachant que. Vu la corpulence. Ta corpulence est quand même presque 10 fois plus. Faut une dose de cheval. 10 fois supérieure à. Ah, même Shangor, quoi. Donc, t'as beau mettre une dose de cheval, si t'as pas la queue, tu vas pas très profond. Allez, hop, ça c'est fait. Disons qu'on peut avoir. Grosso merdo, au bout de 5-6 tours, on devrait voir les effets. Grosso merdo, c'est pas le laxatif, hein, mais. Non, mais le laxatif. 5-6 tours, peut-être moins. Peut-être moins, il est directement dans son système sanguin quand même. C'est relent. Oh. Ah non, c'est un poison très violent. C'est un poison très violent. Quelques minutes, c'est torché un poison. Ah, c'est trop fin, vite aussi. Pas tout à fait une minute, hein, c'est torché. Prochain, vous avez la chance. Shangor, c'est à toi. Ah bah. La je continue à entamer, je continue à entamer la moelle. Un dé de force. Ça passe. Ça passe, et 2 des 10 de dégâts. Oh putain. Je te dis, je suis régulier. Hein. 7, 8. Très bien, donc il continue de se... Tu m'étonnes, tu continues de frapper, et tu sens un... Et le pied qui finit de...
qui finit de se couper, tu viens de trancher la jambe. Donc Grul s'effondre lourdement. Vous avez démonté Grul. Donc il faut savoir que de base, il a 350 points de dégâts quand même. Point de vie. Point de dégâts. Point de vie, ouais. Ouais. J'allais dire 350 points de dégâts, waouh. Et il fait 4 des 12 de dégâts. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est basque. Et il n'a pas grand-chose sur lui, à part son armure en ferraille dégueulasse, son espèce de gourdin gigantesque. Ah, d'ailleurs, peut-être que le gourdin, je peux le prendre. Ouais, peut-être. Il fait un peu 2 mètres de long. Bah ouais, en même temps, j'ai 76 de force. Ouais. Ça se tente. Tu peux essayer, mais du coup, quand tu utiliseras, t'auras un malus de 10, quand même. Ah bah oui, mais par contre, si je tape, je pense que je vais faire mal. Bah écoute, récupère-le, alors. Ouais, tu veux un jet de force ? Gourdin, non, récupère-le directement. Tu assumeras d'avoir un moins 10 en force à chaque fois que tu vas l'utiliser. Ou paré, ou quoi que ce soit. Tu veux l'appeler comment ? Juste gourdin de Grul ? Gourdin de Grul, voilà. Bienvenue à toi. Ce magnifique feu de camp, vous mangez, vous vous reposez, peut-être quelques jours. Et oui. Ainsi se termine la deuxième soirée de JDR. Libération ! Et pas tout à fait. Maintenant, XP. Voilà. Maintenant, c'est ça. Donc, chacun, vous gagnez 2 diamants. Ouais. On le met dans la bourse, ça ? Santé. 3 émeraudes. 2 diamants, 3 émeraudes. On le met dans la bourse, ça ? Ouais. 3 rubis. 1 saphir. Combien de rubis tu m'as dit ? 3. 2 diamants, 3 émeraudes, 3 rubis, 1 saphir. 600 pièces d'or. Combien de rubis ? 3 rubis. 2 diamants, 3 émeraudes, 3 rubis, 1 saphir, 600 pièces d'or. Les bourses de Grul. Et un sac. Nahul Beef, ouais, c'est ça. Un sac de. Nahul Beef. Et un sac de pépites d'or. Hop. Tchonk, je fous ça. Partout. Putain, avec ça, vous êtes refait. Mais totalement. Cyrano, pour ton empoisonnement de Grul, pour ta magnifique réussite à sortir de la cage, pour tes 2 ouvertures de coffre, tes diverses tentatives de rester caché. De donner, rendre des points de vie aussi à ceux qui les perdent. De healer à tour de bras. Tu gagnes un niveau. Ouais! Donc tu es niveau 2. J'ai combien d'XP derrière en plus? Zépil? XP pile. D'accord. Donc 0 d'XP? 0 ouais. XP, mais niveau 2! Ouais! Je l'enregistre. L'elfe gagne un niveau. Chaussette! Shangor. La bûche. La bûche. Oui. Pour ta magnifique sortie de la cage. Pour ton carnage au tronc d'arbre. Pour avoir remis une épaule démise. Tu gagnes un niveau. Et 25 points d'XP. Nice. Elba. Comment dire ? Pour avoir invoqué un démon mineur qui le café, a un peu ravagé le tiers des points de vie de toute l'équipe. Ça, c'est du bonus de dégâts, quand même. Ça, c'est de l'XP à gogo, quoi. C'est du malus de dégâts, ça. À gogo.
Tu as quand même pu faire, enfin ton démon, tu as quand même fait de beaux jets sur la fin, uniquement d'ailleurs la fin, pour le contrôle du démon. Enfin, pas le contrôle, parce que le contrôle tu ne l'avais plus depuis le début, pratiquement. Mais pour ton charisme envers le démon. Il a mis en péril sa vie aussi, pour essayer de le contrôler. Voilà, pour un beau péril, pour un beau péril. Salut Bourinos, bienvenue à toi, t'arrives sur la fin. On continue en PLS avec des questions foireuses. Il fait penser à la magicienne dans le donjon de Holbox. Tu gagnes ton niveau. Ah. Et 0 XP. Oh. Te plains pas. Et Tyson, pour tes tentatives désespérées de fuite de la cage, pour avoir réussi à faire sortir, du coup, permettre le passage de Cyrano, les différentes attaques sur les gardes, les attaques monstrueuses, dans le sens le plus littéral du terme, sur Grul. Il lui a mis genre 50 PV, quoi. En 3 attaques. Ouais. Tu gagnes un niveau et 15 points d'XP. Oh le bâtard. Donc un niveau complet au final. Ouais. Ah ouais, mais c'est...